Mon job, c'est chef de brigade au service de la protection du site et de la matière à Oranolag. Ça consiste à encadrer une équipe de 28 personnes dans leur mission quotidienne. La mission la plus importante de notre service, c'est la protection de la matière, le plutonium et l'uranium irradié. Le site est surveillé 24 heures sur 24. Aucune intrusion ne peut se faire sans qu'elle soit détectée immédiatement. À la moindre alerte, des équipes d'intervention arrivent très rapidement sur la zone pour interpeller les individus suspects. Le temps de réaction est très important. Les équipes d'intervention sont entraînées tous les jours pour être très performantes en cas d'intrusion. On a un stand de tir et on fait du tir quotidiennement. Nous faisons aussi des gestes techniques d'interpellation, de progression en colonne, en plus d'un entraînement physique. Et pour nous appuyer, on a aussi une équipe cynophile sur zone. Nous avons aussi une mission de protection des biens, que ce soit incendie sur un bâtiment ou une fuite chimique. Et le secours à personne qui aurait un malaise, bloqué dans un ascenseur ou un accident. Cette partie se rapproche du métier de pompier. Chaque personne est polyvalente. Toutes les 4 heures, ils changent de poste. On est 24 heures sur le site et ensuite on est 72 heures de repos. Ça me laisse beaucoup de temps pour aussi avoir un loisir à l'extérieur. Je suis pompier volontaire et je peux apporter mon soutien technique auprès du site. En tant que manager, j'ai un rôle opérationnel, mais j'ai aussi un rôle d'encadrement. C'est une équipe qu'il va falloir manager, écouter, faire monter en compétences, de façon à ce que tout le monde trouve sa place et arrive à évoluer en sachant qu'il faut être bon partout. C'est un métier d'avenir pour les jeunes. On les forme à l'issue, ils peuvent intervenir dans toutes nos missions. Tout le monde peut postuler à condition d'avoir un casier vierge et d'être très motivé. J'adore mon job. C'est un métier de passion. On est tout le temps dans l'action. Aucune journée ne se ressemble. Il n'y a pas de routine. Et en plus, on se connaît très bien. Tous les agents sont conscients au quotidien des enjeux spécifiques à un site nucléaire. Donc le lien est là. C'est une équipe soudée. Protéger les biens et les personnes avec compétence et réactivité, ça, c'est mon job.